Voici venue l'heure de la lecture Saint-Louis. Bonjour, je m'appelle Flavia et aujourd'hui nous allons vous parler de lecture façon avec Théo. Bonjour Théo, peux-tu nous parler de ton coup de cœur ? Bonjour Flavia, aujourd'hui je vais vous parler d'Atom, une exploration visuelle de tous les éléments connus dans l'univers. Peux-tu me dire le nom de l'auteur, la maison d'édition, le nom du photographe ? Oui, bien sûr, l'auteur est Théodore Gray, la maison d'édition est Place des Victoires. Et les photographies sont de Théodore Gray et de Nick Mann. Quel est le sujet de ce livre ? Ce livre parle de science et de chimie. Par exemple, il évoque le carbone, les pierres précieuses, l'or, le mercure, l'iridium. Enfin bref, une exploration visuelle de tous les éléments connus dans l'univers. Pourquoi as-tu choisi ce livre qui paraît difficile à lire ? Pourquoi pas un roman d'aventure ? Je n'aime pas les histoires inventées. Je préfère les documentaires sur la vie, les parties, les pierres, bref, la réalité. Quels sont tes minéraux favoris ? Mes minéraux préférés sont le bismuth, l'astate, le mercure et l'or. Peux-tu nous lire un passage qui donnerait envie de feuilleter Atom ? Oui, je vais vous lire la quatrième de couverture. Cet ouvrage invite avec pédagogie et humour un passionnant voyage au pays des éléments à partir de leur tableau périodique universel, soutenu par une exploration visuelle qui montre l'élément à l'état pur mais aussi ses composés et ses applications les plus caractéristiques dans la vie quotidienne. Merci Théo de nous avoir fait partager ton livre Passion et à bientôt. Merci Flavia, à bientôt.